Les islamistes refusent l'existence d'un État juif en terre d'islam. Les sionistes messianiques refusent l'existence d'un État palestinien en terre d'Israël donné par Dieu aux Juifs. Cette phrase, extraite d'un article de Charles Anderlin dans le Paris Match d'octobre dernier, résume bien l'un des enjeux, et je dis bien l'un des enjeux, il n'est pas le seul, dans le conflit israélo-palestinien tel qu'il se présente aujourd'hui. Nous allons voir que la dimension religieuse est présente dans ce conflit depuis un certain temps. Elle n'est pas le fruit de la conjoncture actuelle. Enfin, je pense qu'on peut dire ça. Ce conflit risque-t-il de glisser vers une forme de guerre de religion? Quels sont les fondements religieux de ce conflit? Ce sont les questions que nous voulons poser ce soir à Charles Anderlin, qui est notre invité aujourd'hui en duplex de Jérusalem. Charles Anderlin, qui se définit comme juif, franco-israélien et laïque, est sans doute connu par un grand nombre de nos spectateurs, car il a été le correspondant de France 2 à Jérusalem de 1981 à 2015. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont en 2023, Israël, l'agonie d'une démocratie, dans la collection Libelle du Seuil, Au nom du Temple, Israël et l'arrivée au pouvoir des Juifs messianiques, une édition augmentée de 2023, toujours au Seuil. Et d'ailleurs, il est aussi l'auteur d'un documentaire, d'un film documentaire qui porte le même nom, Au nom du Temple, le sionisme religieux contre la paix. Enfin, c'est le même titre, un sous-titre un peu différent. Et pour finir, pour ceux qui veulent lire davantage sur le thème d'aujourd'hui, lire davantage Charles Anderlin sur le thème d'aujourd'hui, le grand aveuglement, Israël et l'irrésistible ascension de l'islam radical. Celui-ci à Albin Michel en 2009. Jingle du divan et c'est parti. Charles Anderlin, bonjour. Bonjour. 1967, la guerre de six jours semble être un carrefour important aussi bien dans la préhistoire de la naissance du Hamas que celle du messianisme juif en Israël. Commençons par le Hamas, mouvement de résistance islamique, une organisation djihadiste dont nous avons pu voir les atrocités qu'elle est capable de commettre lors du massacre du 7 octobre. Pouvez-vous nous décrire brièvement le processus qui a donné naissance au Hamas? Je vous demande là de résumer vos ouvrages. Vous savez, j'ai été un journaliste de terrain. Avant même de commencer à faire de la télévision, dans la seconde partie des années 70, début des années 80, j'ai fait des périodes de réserve à Gaza. Et la fois où je commandais une patrouille dans la ville de Gaza, un des ordres des commandants, c'était « il faut passer à côté de la maison du cheikh Yassine pour vérifier que tout va bien ». Bon, ok, je trouvais ça un peu bizarre, qu'est-ce que ce cheikh avait à voir avec ce qui se passait. À l'époque, Gaza était d'un calme absolu. Quand j'ai commencé à faire de la télévision, vers le milieu des années 80, j'ai commencé à couvrir un peu Gaza. Et là, j'ai découvert l'association, l'Union islamique, créée par le cheikh Yassine, et là, j'ai trouvé des choses un peu différentes.
L'histoire, en la creusant après, et c'est le livre que j'ai publié en 2009, Le Grand Aveuglement, l'histoire effectivement a commencé après la guerre de six jours, juin 67. Quelques mois après, le cher Yassine est allé voir le commandant militaire. Il lui a dit « Écoutez, moi je ne m'occupe pas de terrorisme comme ces buveurs de whisky et comme ces communistes et ce fatard et ces gens qui ne sont pas religieux. Moi je m'occupe de religion, aidez-moi ». Le général commence à trouver ça formidable et on commence à aider effectivement le cher Yassine. Un général israélien, d'ailleurs, a offert dès le début les équipements de l'équipe de football du cher Yassine, de la mosquée, les maillots, les ballons, etc. C'était un don du général commandant la région sud qui s'appelait Ariel Sharon à l'époque. Cela s'est développé, c'est devenu, on a laissé le cher Yassine prendre le contrôle de l'ensemble de la plupart des mosquées de Gaza. Les Israéliens considéraient que c'était une opération plutôt réussie. Les vrais terroristes. À ce moment-là, ce n'est pas encore le Hamas, c'est le Mujahma Islamia, non ? L'Union islamique. Effectivement, oui. En septembre 1973, une scène extraordinaire, dont on a d'ailleurs les images filmées par la télévision israélienne à l'époque, c'est. Le général gouverneur de Gaza, avec à ses côtés le cheikh Yassine dans sa chaise roulante, inaugure l'immeuble de l'Union islamique, qui est l'immeuble des frères musulmans à Gaza. Arrive vers 75-76 un officier qui, lui, parle l'arabe, qui, lui, connaît l'islam, il a fait des études, il s'appelle Avner Cohen, et il va voir qu'est-ce que c'est que cette association qu'on aide. Et il revient absolument terrifié. Il va écouter les prêches dans les mosquées, il va parler à ses imams, à tous ces gens-là, et il fait des rapports, c'est extrêmement dangereux, nous ne devons pas les aider, au contraire, il faut les contrer. Il n'est pas écouté, on ne veut pas l'entendre. Il y a des scènes assez extraordinaires qu'on m'a racontées par la suite. Maintenant, il faut dire que... Je pense que vous avez rencontré récemment Avner Cohen, non ? Il est déjà un homme âgé qui est encore vivant. Il déplore le fait qu'on ne l'a pas écouté. Mais c'est un personnage qui nous intéresse, puisque c'est quelqu'un qui a vu ce que personne n'a voulu voir. C'est particulièrement intéressant pour nous, psychanalystes. En 88, avec le tout début de la création du Hamas, effectivement, dans les rapports des services de renseignement, on dit Avner Cohen avait raison. Et les Israéliens découvrent ce qu'est effectivement le Hamas. Matti Steinberg, grand islamologue, professeur à l'université hébraïque à Princeton et Heidelberg, lui a effectivement aussi... analyser ce que représente la religion telle que fondamentaliste du Hamas. Et c'est la religion créée par la vision religieuse du plus extrémiste des frères musulmans, Saïd Qutb, que le président Nasser a fait pendre en 1966. Le cheikh Yassine était un proche idéologique, théologique de Saïd Qutb. Saïd Qutb, c'est le grand gourou à l'origine de la vision intégriste de Al-Qaïda, de Daesh, de ce qu'est le fondamentalisme islamique. C'est un fondamentaliste anti-juif, anti-chrétien, et aussi qui prêche un islam rigoriste pour tous les musulmans. C'est-à-dire qu'il s'attaque également aux musulmans qui ne sont pas dans leur lignée. Et alors, quel est votre avis ? Parce que selon les publications, les articles qu'on lit un petit peu partout aujourd'hui, les gouvernements successifs d'Israël ont une certaine responsabilité dans le développement du Hamas par après. Tout à fait. Vous avez absolument raison. Cela commence avec la grande vision d'Ariel Sharon. Ariel Sharon, 2005, décide l'évacuation des colonies de Gaza. On quitte Gaza. Le mouvement de colonisation, ceux qui étaient à Gouch Emunim, les colons vont sur les barricades, refusent absolument. Mais en fait, l'idée d'Ariel Sharon est de donner Gaza au Hamas. Cela permet
la rupture entre Gaza et la Cisjordanie et la rupture entre les deux grands mouvements, le Hamas qui refuse l'existence d'Israël dans la région et refuse donc la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël, opposé à tout ce qui peut avancer vers une paix. Pour le Hamas, vous l'avez dit, la région ne peut être qu'islamique. Mais vous savez, je crois que Sharon avait aussi compris que pour le Hamas, Gaza n'est pas un territoire. Le Gaza, pour le Hamas, c'est toute la région qui est terre d'islam, avec en son centre la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam. Donc le retrait a lieu. Ariel Sharon interdit tout renforcement de l'autorité palestinienne de Yasser Arafat puis de Mahmoud Abbas à Gaza. Les Américains avaient mis sur pied un bataillon de policiers palestiniens qu'ils avaient entraînés en Jordanie. Sharon, puis son successeur Ehud Olmert, refusent le déploiement de cette unité dans Gaza. La police palestinienne les voulait pour affronter le Hamas lorsque le moment viendra. L'année suivante, Ehud Olmert a succédé à Sharon. Des élections palestiniennes ont lieu. Ça, ce n'est plus un homme de la droite. Donc, il y a aussi des hommes politiques de gauche qui ont soutenu... Olmert était entre les deux. Il était en train de virer, d'essayer de négocier. Mais il est quand même originaire du Likoud. Et Ehud Olmert autorise, contre l'avis des responsables des services de renseignement, autorise la participation du Hamas aux élections. Il présente des candidats et effectivement, le Hamas remporte les élections comme les sondages le prévoyaient, alors que les services de renseignement disaient qu'il ne faut pas le faire parce qu'il risque de gagner. Et le Hamas est opposé au processus d'Oslo que représente l'élection. L'année suivante, 2007, le Hamas prend le contrôle par la force de Gaza. L'armée israélienne, le commandant de la région militaire sud, demande à Olmert l'autorisation d'envoyer des hélicoptères de combat, d'empêcher la victoire du Hamas à Gaza. Le Hamas tue près de 150 militants et combattants du Fatah, occupe tous les bureaux de l'autorité palestinienne, et ça y est, c'est fait, le Hamas contrôle Gaza. 2009, Benjamin Netanyahou arrive au pouvoir et continue cette même stratégie de soutenir le Hamas pour empêcher tout accord sur la paix avec les Palestiniens et en parallèle affaiblir l'autorité palestinienne de Ramallah. Simplement, si vous laissez le Hamas diriger Gaza, gouverner Gaza, il faut lui donner les moyens financiers. Et Benjamin Netanyahou autorise le financement du Hamas par le Qatar. En 2020, Ismaïl Haniyeh dira, le numéro 2 du Hamas, dira « Nous avons reçu $1 milliard du Qatar ». Alors d'un côté, si vous autorisez le financement, par le Qatar, vous n'allez pas commencer à voir qui d'autre finance le Hamas, avec la grande vision que le Hamas va se contenter de gouverner ce petit territoire de Gaza, il ne cherche pas plus, et de toute manière, nous sommes assez forts pour lui faire face le cas échéant. Et de là, on arrive au 7 octobre, avec la responsabilité des gouvernants israéliens qui ont mené cette stratégie de division des Palestiniens entre Gaza et la Cisjordanie, entre le Hamas et le Fatah, pour empêcher la paix et surtout qui nous ont conduits à cette catastrophe du 7 octobre par manque de vision, par aussi les erreurs militaires, les fautes, à partir du moment où le Hamas se contente de diriger Gaza, on ne va pas commencer à aller chercher qu'est-ce qu'ils font d'autre. C'est ce que l'on appelle en Israël la conceptia, la conception qui s'est installée dans l'ADN des politiques et des militaires israéliens. Le Hamas se contente de Gaza, s'il nous menace, eh bien on peut y faire face. J'ai une question d'un détail que j'ai lu dans votre dernier article dans le monde diplomatique.
Vous mentionnez, je ne sais pas si vous pouvez, vous savez davantage sur le fait, sur ce fait, mais que le cheikh Ahmed Yassine annonçait la fin, la disparition de ce qu'il appelait l'entité sioniste, pour ne pas dire Israël, pour ne pas reconnaître l'État d'Israël, la disparition en 2027. Alors, oui, d'abord, tout à fait. Pourquoi 2027 ça avait une, est-ce que c'est une vision religieuse ou... Oui, absolument. Écoutez, tout ce que fait le Hamas a un aspect religieux. C'est la théologie du cheikh Yassine, qui est également dans certains milieux des frères musulmans. Il avait une vision 40 ans, 40 ans, 40 ans par génération. Et la génération actuelle, qui selon ses calculs devait arriver en 2027, 27, c'est la fin, c'est la guerre que les musulmans vont gagner face à Israël, détruire Israël, et il ajoute punir les traîtres chrétiens, parce qu'il y a ça aussi dans la vision du Hamas. Il faut le dire, la charte du Hamas, qui est une charte anti-juive, anti-chrétienne, anti-occidentale. Et pourquoi est-ce que vous utilisez le terme anti-juif, la charte vous dites anti-juive et pas antisémite ? Quelle est la différence vous pouvez faites dire antisémite, simplement à partir du moment où on commence à m'expliquer qu'il y a beaucoup de sémites au Proche-Orient, je préfère cibler. Il y a anti-juif, antisémite, on peut être aussi antisémite au niveau de la région, anti-arabe. Et donc, oui, c'est ça. Donc ici, en fait, le Hamas a voulu précipiter ce qui est prévu pour 2027. D'après Matti Steinberg, qui est l'analyste que je cite dans mon dernier article du Monde diplomatique, effectivement, il a repéré à un moment donné une transformation dans la vision des théologiens, des imams du Hamas. Ils ont décidé que les calculs du cheikh Yassine, le fondateur, n'étaient pas tout à fait exacts, et ça se passe pour eux en 2023, 2024, le moment est venu. Maintenant, vous savez, dans toutes les analyses que je vois sur le Hamas, j'ai fini par réaliser qu'il est à peu près impossible de les analyser, de les regarder avec les critères des sciences politiques occidentales ou européennes. Ah. C'est un mouvement entièrement religieux. Vous savez, je les ai tous rencontrés, enfin la plupart. J'ai été reçu chez le docteur Mohamed Mahmoud Azahar, qui est au bureau politique, qui est un des fondateurs aux côtés avec le cheikh Yassine, buvant le café chez lui. D'abord, on me recevait toujours, sachant parfaitement que je suis juif et israélien. Et jusqu'en 2007, après, l'armée israélienne m'a interdit de rentrer dans Gaza. Ils voulaient certainement voir ma caméra, voir mes images. C'était ça qui les importait. Mais ils m'expliquaient leur vision. À la rigueur, les Juifs, on pourra leur donner, comme le prophète, s'ils ne sont pas aussi, qu'ils ne commettent pas la même traîtrise qu'ils ont accomplie contre le prophète à l'époque de la naissance de l'islam, les Juifs, s'ils évitent de trahir comme ils l'ont fait pour le prophète, ils pourront rester. C'est ce que tous m'expliquaient. Alors là, vous savez, essayez d'expliquer ça selon les théories de Sciences Po. Oui, mais c'est étonnant parce que ça résonne un petit peu avec le projet de Smotrich de 2017, je pense, où les Palestiniens pouvaient rester s'ils le veulent et s'ils se conduisent comme il faut. Et je vais vous surprendre, ça représente presque le projet de Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu en 1993 en anglais, puis en 1995, a publié deux livres qui sont des livres programmes que je décris et auxquels je reviens régulièrement. La vision de Benjamin Netanyahu ressemble de manière assez étonnante à la vision des sionistes religieux. Maintenant, le sionisme religieux, pour moi, c'est un morceau de chromosome qui s'est collé sur le sionisme politique de Theodor Herzl. S'il faut parler de sionisme religieux, il faut revenir au livre-programme du fondateur de Theodor Herzl, Alt Neuland,
à savoir dans l'État juif, le messianisme n'existera pas. Herzl raconte une pièce de théâtre dans l'État qu'il imaginait à l'époque, où on ridiculise le messianisme. Et il y a des élections dans l'État juif à l'époque. Il y a un extrémiste ultranationaliste, un rabbin, qui refuse tout droit aux non-juifs. Et dans l'élection telle que l'imaginait, le rêvait Theodor Herzl, un président juif est élu et un vice-président arabe. Il faut savoir aussi que... C'était aussi l'idée de Jabotinsky, non, qui est la référence de Jabotinsky, mais qui, dans le mouvement révisionniste, dans cette opposition à la gauche sioniste représentée par Ben-Gurion et les autres, la vision de Jabotinsky, c'était exactement ça, un président juif, un vice-président arabe. Mais il avait dans son mouvement une opposition qui était extrême, qui était tout à fait, on peut le dire, néo-fasciste. Admirait Mussolini, on a les textes, je les publie dans le petit livret que vous avez montré. Lorsque Jabotinsky annonce son arrivée en Palestine, parce qu'il avait été... expulsé par les Britanniques à l'époque. Il est salué par les plus durs au sein de son mouvement. Nous t'accueillons notre Duce. Et Jabotinsky leur répond: pas du tout, je ne veux pas de ce titre, je ne suis pas un leader, il est absolument contre. Mais ces extrêmes étaient surtout représentés par Abba Achimeir. Au sein du mouvement révisionniste, qui était proche encore d'un mouvement encore plus extrémiste qu'on appelait les Birionim, qu'on peut traduire par les voyous, par référence à la révolte des Sicaires lors de la destruction du temple en l'an 70 de l'ère moderne, les Sicaires qui refusent, qui dans le groupe de Abba Achimeir refuse tout accord avec les Arabes. Et dans ce groupe, très proche, on trouve quelqu'un qui s'appelle Ben-Sion Netanyahou, qui était le père de Benjamin Netanyahou. Et la vision de Ben-Sion Netanyahou était que jamais les Juifs ne pourront s'entendre avec les Arabes. C'est tout simplement impossible parce que régulièrement, le mal, Amalek, un dirigeant, un peuple, une tribu voudra toujours détruire le peuple juif. Mais c'est des choses... Oui. Oui, mais le sionisme commence, le sionisme, celui qui a fondé l'État, est un sionisme plutôt séculier. À ce moment-là, tous ces mouvements-là sont dans le background, peut-être, ils ne sont pas très présents. Par contre, dans ce que j'ai compris en vous lisant, c'est que 1967, la guerre de six jours, la libération, la conquête des lieux saints à Jérusalem, est un moment carrefour pour le messianisme juif. À partir de ce moment-là que ça commence à prendre une force nouvelle. Vous avez tout à fait raison. Avant 1967, le sionisme religieux messianique était représenté par une école talmudique appelée Merkaz Arav, qui a été fondée par le fils du rabbin Cook, père, qui lui-même avait fait le lien entre le sionisme politique et la religion, en expliquant que finalement, ce qui se passe, eh bien, c'est que Dieu a décidé que le retour des Juifs en terre d'Israël devait avoir lieu maintenant. Après, il faut revenir un peu dans la religion, après la destruction du Temple en 70, et puis 70 ans plus tard, la révolte de Bar Kokhba, qui a été durement réprimée par l'Empire romain, qui a rendu pratiquement la Palestine Judenrein, les talmudistes ont établi un certain nombre de principes. Un, nous tirons les leçons des deux catastrophes qui se sont abattues sur nous. Un, nous ne devons pas nous soulever contre les nations du monde.
Nous ne devons pas revenir en masse en terre d'Israël parce que Dieu nous a punis et nous devrons revenir que lorsque nous entrerons dans la période, on peut dire eschatologique. La troisième interdit des Talmudis s'adressait au monde. Le monde ne doit pas être trop dur envers les Juifs. Et la grande théorie du rabbin Cook père, c'est que ça y est, les deux premiers interdits sont annulés. Le monde a été trop dur envers les Juifs. À l'époque, il n'y avait pas encore la Shoah, mais il y avait tous les pogroms qui avaient eu lieu au fil des siècles. Donc, ce rabbin Cook a été le grand rabbin d'Israël. Il a pas mal publié. Il avait des disciples. Son fils a poursuivi l'enseignement dans cette école talmudique à Jérusalem-Ouest, qui s'appelle Merkaz Arav, le centre du rabbin. Et après 67, avec, vous l'avez dit, la conquête des lieux saints, de ce qui fut les lieux saints juifs, c'est-à-dire d'abord le mont du Temple, qui se trouve être le troisième lieu saint de l'islam, Al-Aqsa, mais aussi le caveau des patriarches à Hébron, qui pour les musulmans est la mosquée Ibrahimi, caveau d'Abraham, et puis d'autres lieux, Bethléem, etc. C'est le grand retour. Et ces disciples qui étaient quelques dizaines, à peine quelques centaines, commencent à s'installer avec, à partir de 68 dans un hôtel à Hébron, pour commencer à s'implanter dans Hébron. Et c'est le début de la colonisation au nom du grand principe, la terre d'Israël appartient aux Juifs. C'est d'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, dans le gouvernement de M. Netanyahou, qui a été formé à la fin 2022, la première annonce, c'est que la terre d'Israël appartient exclusivement aux Juifs, et il dit spécifiquement la Judée-Samarie, la Cisjordanie, c'est la première fois qu'un gouvernement israélien est formé en annonçant d'entrée son intention annexionniste. Oui, c'est ce que vous disiez, que finalement, Netanyahou n'est pas c'est un homme laïque, mais ce lien avec les partis messianiques, la motivation de ces liens n'est pas purement politique, c'est pas seulement pour être au pouvoir, c'est aussi, il y a là aussi une idéologie commune. Ah, je suis sur ce point-là. D'accord. Si on compare les textes publiés en 93-95 par Benjamin Netanyahou avec la vision messianique de Bezalel Smotrich, colon radical qui habite Kadoumim près de Naplouse, d'ailleurs sur un terrain où il devrait pas, on n'aurait pas dû avoir le droit de construire sa maison. Smotrich a publié en 2017 un programme destiné à vaincre les Arabes, et on y retrouve des phrases qui ressemblent tout à fait à ce qui est écrit dans les textes par Benjamin Netanyahu dans ses livres. Mais pour moi, Benjamin Netanyahu est un idéologue, il est sur la ligne, lui et sa famille sont sur la ligne de Ben Sion. Les Arabes ne veulent que détruire Israël. La Palestine, l'idée de Palestine a été créée pour détruire Israël, pour combattre Israël. Il l'écrit en toutes lettres. Maintenant, tout le monde a l'impression, parce qu'après son élection en 1996, Benjamin Netanyahou s'est montré pragmatique. Pour moi, il n'avait absolument pas le choix. Il a été obligé, pour rester au pouvoir, de poursuivre les accords d'Oslo. Le public israélien était pour. Il avait d'ailleurs annoncé qu'il ne les annulerait pas. Il a été serré la main d'Arafat. Il a été obligé, sous la pression américaine, d'évacuer une partie de la ville de Hébron. Ça lui a fait perdre les élections par la suite. Et après sa traversée du désert, 2009, il est revenu. Et là, on retrouve l'idéologue Benjamin Netanyahou. D'abord, avec des lois dirigé contre la gauche israélienne, contre les ONG qui défendent les droits de l'homme, y compris en Cisjordanie, des lois de défense de la colonisation, d'ailleurs, qu'il relance,
En 2014, il limoge deux ministres de son gouvernement qui étaient centristes. Tzipi Livni, sorti du Likoud, qui avait fait un grand virage vers la gauche, et Yair Lapid, parce qu'il refusait de faire voter la loi Israël, État-nation du peuple juif. Une loi discriminatoire qui retire les droits communautaires aux non-juifs en Israël. Cette loi a finalement été votée en 2019. Alors qu'on ne me dise pas que Benjamin Netanyahou est un pragmatique qui ne veut que rester au pouvoir, il veut effectivement rester au pouvoir. Il y a des problèmes de corruption et il compte effectivement de se défendre. Mais fondamentalement, lutte contre la gauche, lutte contre les ONG de défense des droits de l'homme, faire voter la loi Israël est une nation du peuple juif, loi discriminatoire. Puis ensuite, pour les communautés, mais pas pour les personnes... Les droits individuels sont maintenus, les droits religieux aussi. Oui. Voilà, un arabe israélien ou un palestinien d'Israël, selon ce qu'il veut, comme il veut l'être appelé, peuvent vivre, travailler, être nommé, voter, être député. Et oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'arabe n'est plus une langue officielle. Et puis également, les droits fonciers sont essentiellement aux Juifs. D'ailleurs, le développement des communautés, des localités juives est prioritaire. Selon cette loi, Israël est une nation du peuple juif et cela porte atteinte à tous les non-juifs, y compris non seulement aux Arabes israéliens, mais aussi aux Druzes israéliens qui aujourd'hui ont d'énormes problèmes pour se développer. Donc, vous savez, et puis Netanyahou, 2022, manipule, et puis au lieu de trouver des partenaires centristes de droite, et il y en avait certainement, qui étaient prêts à y aller, a décidé de faire cette alliance, d'abord électorale, avec le sionisme messianique, le puissance juive, le racisme issu de Meir Kahana, de Itamar Ben-Gvir, en sachant exactement qui ils sont, et en lui promettant... En même temps, ça a provoqué presque une année d'un mouvement de manifestation contre le coup d'État judiciaire programmé par ce nouveau gouvernement. On peut dire que le massacre du 7 octobre a mis un point d'arrêt à ces manifestations. Et à partir de là, se pose la question de la suite. Est-ce que vous pensez que l'opinion publique, après le massacre du 7 octobre, est-ce qu'elle soutient plus la tendance messianique? Qu'est-ce qui va se passer à la sortie de la guerre, à votre avis? D'abord, la guerre n'est pas finie. Les combats ont baissé d'intensité, tout peut repartir. Il n'empêche que l'on a tous les jours, au moins un mort, un militaire mort au combat. Je crois que les Israéliens sont encore, je ne dis même pas en post-trauma, ils sont encore en trauma. Demain, c'est les 100 jours des otages à Gaza. On est à 130 et quelques. Tous les journaux télévisés, toutes les émissions des grandes chaînes israéliennes, des trois chaînes, c'est les otages, les morts au combat et où va Israël avec des reportages sur le terrain. Donc je n'ai absolument aucune idée comment ça va se passer. Il y a des problèmes économiques gravissimes avec le changement de régime qui se poursuit. Si la Cour suprême a empêché des lois qui auraient permis d'aller encore plus vite vers la réforme judiciaire, du point de vue économique, du point de vue politique, ça continue. Pour l'instant, le ministre de la Sécurité nationale, le kahaniste Itamar Ben-Gvir, continue de distribuer des armes à des sections d'alerte un peu partout dans le pays. Dirige le système judiciaire.
Vous dites vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui va se passer, mais votre impression, est-ce que par exemple les manifestations vont reprendre une fois que les combats vont s'arrêter, j'espère qu'ils vont s'arrêter, est-ce que les manifestations vont reprendre de la même... Il y en a tous les samedis soirs, il y a deux manifestations, tous les samedis soirs, une par les familles d'otages, et ce soir c'est très important. Et vous avez en parallèle une autre manifestation qui rassemble des dizaines de milliers d'Israéliens pour les départs de ce gouvernement. Parmi les manifestants en faveur des otages, de très nombreuses personnes seraient prêtes à les manifester contre le gouvernement. Maintenant, l'idée, c'est en temps de guerre, et pour ne pas diviser le peuple au moment où il faut essayer non seulement de terminer la guerre, mais de libérer les otages, il ne faut pas trop faire de politique. Maintenant, la politique est tout doucement en train de remonter, surtout qu'il y a de gros problèmes économiques qui s'annoncent, que le gouvernement... Vous savez, c'était l'ancien patron du Shin Bet, Nadav Argaman, qui a dit « Comment est-ce que je peux croire un ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui dit « Je fais l'économie avec l'aide de Dieu ». Donc l'économie avec l'aide de Dieu, ça ne marche pas, et on voit en ce moment que ça ne marche pas. Et ce qui est extrêmement bizarre, c'est que Benjamin Netanyahu laisse faire également dans le domaine économique. Alors on verra la semaine qui arrive, on verra comment ça va se passer, mais vous avez des problèmes gravissimes. Les réservistes, depuis à peine une semaine, commencent à retrouver la vie civile. Il y a des sociétés, des magasins, des indépendants qui tout à coup pratiquement sont au bord de la faillite. Si le gouvernement n'aide pas dans les semaines qui viennent, c'est la cata. Donc, il y a tout cela. Comment ça va se passer? Je pense qu'on va vers une explosion sociale, politique en Israël, quand quelques semaines, quelques mois, quand peut-être il y aura moins d'obsèques de militaires qui se déroulent. Effectivement, vous savez, les gens sont en deuil, les gens ont peur, l'angoisse est omniprésente, le choc est terrible pour tout le monde, et beaucoup de gens n'osent pas parler. Alors, on voit des interviews d'artistes et même d'experts qui disent « je ne peux pas parler maintenant, je ne veux pas dire tout, je ne peux pas dire la vérité ». Il y a des choses, il y a la censure qui est omniprésente, il se passe des choses. C'est pas votre tendance, vous, de ne pas parler. Moi, je publie. Oui, depuis toujours, vous considérez que c'est votre éthique de dire de façon objective ce qui se passe. De telle manière à ne pas porter plainte à des individus. Lorsque j'ai fait le livre « Le grand aveuglement » que vous avez montré, je me suis adressé à des anciens patrons des services de renseignement, des généraux qui ont été gouverneurs militaires. On m'appelait et on me disait « Écoute, tu peux m'envoyer un taxi ce soir ?» Le taxi arrivait tard dans la soirée avec une pile de documents que je n'étais pas censé lire. Et finalement, je les traduis mot à mot dans ce livre, des documents des services de renseignement et de l'armée qui montrent l'erreur fondamentale, ne pas comprendre que ce fondamentalisme islamique était une menace terrible. Ces publications ne vous ont pas, on vous a pas reproché ça, d'avoir publié des documents qui ne doivent pas être publiés? Bah écoutez, je suis peut-être passé sous le radar, vous savez, je publie en français. Il y a quelques années, un éditeur israélien m'a proposé de traduire un de mes bouquins sur la répression de la seconde intifada. C'est un livre qui s'appelle... Les années perdues, et le film qu'on avait fait avec Dan Seton, qui a été diffusé également en Israël, c'était Shnot Dam, les années de sang, avec effectivement des éléments qui ne correspondaient pas du tout à la vision officielle de la seconde intifada. Arafat n'a pas déclenché la seconde intifada, et on avait même aujourd'hui des dirigeants qui sont très à droite, qui nous avaient dit devant la caméra « Ah, c'est de notre faute s'il y a eu la seconde intifada ». Alors, quelqu'un ne voulait pas publier ça en Israël, mais dans le film qui est passé très tard sur la seconde chaîne israélienne à l'époque, même Avi Dichter, homme de droite, aujourd'hui proche de Netanyahou, disait « Arafat n'a pas déclenché l'intifada ».
c'est nous qui avons menti. Dichter devant la caméra. Qui l'a déclenché alors ? La rue palestinienne et la réaction de l'armée israélienne. Celui qui était à l'époque chef des renseignements militaires, le général Amos Malka, nous dit devant la caméra, le premier mois, nos soldats ont tiré 1 million de cartouches. 1 million de cartouches. Ça veut dire que un grand nombre de blessés et de victimes palestiniennes. Voilà, c'est ça la réaction. Il y a même l'ancien chef d'état-major de la région sud, qui aujourd'hui d'ailleurs se trouve dans le parti kahaniste, qui nous dit devant la caméra, nous avons rasé trop tout le long des routes autour et dans Gaza, et c'est ça qui a fait monter la tension. Nous avons installé des postes supplémentaires et ça allait déclencher. Ça, c'est des kahanistes. Peut-être il faut nous dire à nos spectateurs ce que c'est que les kahanistes. C'est-à-dire que c'est vraiment une section fasciste qui part d'un juif, d'un rabbin américain, israélien américain. Mais un rabbin qui, curieusement, a la même vision fondamentaliste que le musulman Saïd Qutb. J'ai retrouvé, vous l'avez dans mon livre « Au nom du Temple », je compare la vision de Saïd Qutb, qui avait l'islamiste, frère musulman, qui avait, au cours d'un voyage, il était ingénieur, il avait fait un voyage aux États-Unis, il avait trouvé les États-Unis épouvantables. Les femmes mal habillées, la discrimination contre les Noirs, il en est revenu en haïssant les Américains. Et on a des critiques du rabbin Meir Kahana dans ses textes contre les Juifs américains qui vivent trop bien, qui ne comprennent pas l'importance de reconstruire le temple, etc. Et il avait d'ailleurs une vision qui ressemblait, c'est assez curieux, à celle de Yassine, fondée sur des décennies, 40 ans, Yassine 40 ans, Meir Kahana 40 ans. Donc un jour, si quelqu'un veut faire des grandes recherches sur le fondamentaliste islamique et juif, il y a matière. Le problème, c'est que je n'en trouve pas beaucoup. Je disais ça surtout pour faire la distinction entre ce qui est kahaniste et ce qui est la politique du gouvernement israélien, malgré tout, c'est quand même... Meir Kahana et son successeur idéologique Itamar Ben-Gvir est raciste, anti-arabe, ils le disent ouvertement, y compris d'ailleurs Smotrich. Smotrich qui avait fait scandale en refusant que son épouse aille accoucher dans une maternité où accouchent également des femmes arabes. Donc ça, c'est, je ne sais pas, vous avez des décisions de ce genre et des déclarations de ce genre qui, dans un pays... En Europe, vaudrait la condamnation de ceux qui les prononcent. En Israël, ce n'est pas le cas. Bon, une dernière question, c'est de nouveau un détail, mais j'ai lu que, outre les objectifs les plus connus de Tsahal dans cette guerre, de la destruction du Hamas et la récupération des otages, il a été annoncé aussi un autre but, un autre objectif, de déradicaliser le territoire de Gaza. Je pose la question parce que nous parlons des religions. Donc il s'agit pas seulement de détruire le Hamas, mais en plus anéantir l'idéologie religieuse, si je comprends bien. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Écoutez, ça c'est une déclaration de Benjamin Netanyahu, si je me souviens bien. Il faut faire ceci et déradicaliser Gaza. Ah. Je ne vois pas très bien comment c'est faisable. Ça veut dire contrôler les esprits. C'est une déclaration stupide, encore une. Maintenant, Gaza, je connais Gaza. J'ai passé jusqu'à ce qu'on m'interdise d'y rentrer parce qu'en tant qu'Israélien, l'armée ne voulait pas que je sois retenu, kidnappé ou autre à Gaza. Ou d'ailleurs, j'ai toujours eu de bons rapports, même avec tous les islamistes là-bas, sachant vous ne pensez pas que l'armée avait raison ? Vous ne pensez pas que vous étiez en danger, même si vous connaissez beaucoup de gens à Gaza ? Je n'ai jamais eu de problème de sécurité dans Gaza. J'ai fait des reportages en Égypte et tout le monde
chez les islamistes, tout le monde fait, à partir du moment où existe Internet, les gens font Charles Anderlin en arabe, vont sur Wikipédia, Google, Anderlin, juif israélien, a fait l'armée israélienne, a publié ceci, ceci. J'ai jamais eu un problème de sécurité côté arabe. Jamais, jamais. Peut-être la chance, je ne sais pas. En tout cas, ça a toujours été le cas. Je ne sais pas aujourd'hui. Vous savez, à Gaza, à un moment donné, un des chefs du Hamas, le docteur Rantisi, moi, je mesurais mes capacités à me déplacer si j'étais invité à prendre le café ou pas. Chez Mahmoud Azhar, j'ai toujours été invité à prendre le café. À un moment donné, il m'invitait, mais je n'avais pas le café. Donc, j'ai compris que c'était un peu différent. Rantisi me recevait, ne me ferait pas le café, mais un jour, a refusé de me recevoir. À partir de ce moment-là, ça a viré. D'ailleurs, entre parenthèses, Mahmoud Azhar, aujourd'hui, est filmé en annonçant « ça y est, c'est la fin d'Israël et on va pouvoir aussi punir les traîtres chrétiens ». Donc Mahmoud Azhar que je recevais, j'ai des heures d'interview dans les archives de France 2 avec ces gens-là, ou avec le cheikh Abdallah Chami du Djihad, qui publiquement m'a qualifié de « fanny Jew », de « drôle de juif », et j'allais même chez lui à la maison. J'étais toujours reçu, ils savaient simplement aussi que je reprenais fidèlement leurs propos, et entre parenthèses, à la rédaction de France 2, on me disait, les Palestiniens ne parlent pas comme ça, arrête de passer ces extrémistes palestiniens. Je leur disais, mais c'est ce qui se passe sur le terrain. Les Européens ne comprennent pas l'islam radical, ou comprennent pratiquement pas. Ça ne correspond pas au mode de pensée européen, certainement pas français, où la religion, c'est quelque chose de privé. Or, on a vu lors des grands attentats de Paris, tout à coup, tiens, qu'est-ce que c'est que le fondamentalisme islamique ? Les gens le découvrent. Le fondamentalisme islamique ne se combat pas par la déradicalisation, il se combat par les armes, par le contrôle. Comment les Égyptiens, l'armée égyptienne, la police égyptienne contrôle les frères musulmans ? Chaque mosquée, l'imam doit déposer à la police le prêche qu'il va prononcer le lendemain vendredi. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'on lutte contre l'islam radical. L'islam radical est meurtrier, on l'a vu le 7 octobre. Moi, c'est des assassins. Le Hamas s'est comporté le 7 octobre comme Daesh s'est comporté envers les Yazidis. Oui, bon. Donc, je dirais que quand même, je comprends en tout cas l'inquiétude que l'armée avait de vous permettre de rentrer à la bande de Gaza. D'ailleurs, le 7 octobre, les victimes du massacre étaient en grande partie des gens de la paix, des gens qui c'est les ennemis du Hamas. C'est les ennemis du Hamas. Le Hamas n'a pas cherché à aller dans les kibboutzim très religieux ou à s'attaquer aux yeshivot. Pas du tout. Non, non. L'ennemi, c'est la gauche. L'ennemi, c'est les gens qui veulent conclure la paix. C'est ça. C'est ça l'ennemi du Hamas. D'ailleurs, je ne sais pas, vous savez, même quand on parle de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, la guerre Israël-Gaza en 2014. À 9 reprises, Benjamin Netanyahou a lancé des propositions de cesser le feu à Mohamed Deif, le chef militaire du Hamas. À 9 reprises, Mohamed Deif a refusé. Pourquoi ? Parce que quotidiennement, les images des bombardements israéliens et les victimes gazaouis terrible, ces images-là faisaient baisser le soutien à Israël et provoquaient des grandes manifestations pro-palestiniennes en Europe et aux États-Unis. À 9 reprises, et le fait que l'armée israélienne n'ait pas compris que c'était le piège tendu par le Hamas le 8 octobre, pas le 7, eh bien voilà, oui, exactement, tout cela est une chose tout à fait logique. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Israël est accusé de génocide, ce qui est quand même un comble. Bien, on a déjà dépassé notre temps. On doit en rester là. Je vous remercie énormément parce que
En vous lisant, je trouvais que votre façon de décrire les choses est vraiment très intéressante. En vous écoutant aussi, c'est à la fois nous sortons, c'est intéressant et nous sortons de cette émission très instruits. Je vous dis donc au revoir et puis à nos spectateurs également, je donne rendez-vous la semaine prochaine, le samedi à 18h30 précise. Merci. Thank you.